Marc Nettinger, bonjour, en direct du Maspalaigri. Oh mon Dieu, encore des avions. Le musée de l'avion où tu, depuis aujourd'hui et jusqu'à demain, tu fais le festival des ailes et des bulles. Raconte-nous ta vie, Marc Nettinger. Ah, ma vie. Mais court quand même. Parle-nous du festival. Tranquille. Pas si tranquille que ça. Ouais. En fait, jusqu'à demain soir, 19h, nous recevons deux auteurs de bande dessinée. Stanislas Barthélémy, qui est l'auteur de l'affiche que vous venez de voir. Ouais, que je viens d'interviewer. Voilà. Et Francis Nicole, qui a une série qui s'appelle Mission Kimono. Ouais. Qui se passe sur le Charles de Gaulle, avec deux personnages aussi un peu clés. Hein. Et nous recevons... Genre Tanguy et la Verdure, mais pas Tanguy. Tanguy et la Verdure, voilà, moins connu. Ensuite, nous aurons un romancier qui s'appelle Michel Barbe, qui a écrit un roman basé sur, autour de la base aéropostale de Saint-Laurent-la-Salanque, la base de la Técuère, pardon. Ensuite, nous aurons Rémi Michelin, notre photographe attitré, qui vient régulièrement ici. Ensuite, nous recevons aussi Louis Basser, qui est un peu l'âme de Saint-Laurent-de-la-Salanque, hein, qui a répertorié depuis 1985 des photos de toute l'épopée latécoère à la Salanque. Voilà, donc ça c'est demain, parce que là ça se termine. Voilà. Hein, demain 10h, 19h. Alors 10h30, dans 10h, 12h30 ouais. Et 15h30, 19h. Voilà, donc ne ratez pas, ce serait dommage. Merci.